Pourquoi on a décidé d'encourager le patin libre? Parce que le patinage a besoin à l'heure actuelle de découvrir une nouvelle ère, et parce que c'est quelque chose qui est totalement différent, c'est très novateur et... Attends, je trouve pas mon mot. Impulsif, tu sais, c'est réactif. Et puis c'est sans commune mesure, il n'y a pas du tout de rapprochement avec le patinage existant, le patinage actuel. Enfin, voilà, c'est ça. On vient tous du monde du patinage traditionnel, donc on a été formés dans le show business, dans le divertissement populaire surtout. Donc les débuts de la troupe se sont faits un peu avec cette attitude-là, malgré le désir de faire de la nouveauté. Et maintenant, après 5 ans d'évolution, ben, on en est à réfléchir sur notre médium, à le purifier. So what we're trying to create on the ice now is more of a breakdown of traditional skating, using traditional movements, much like a contemporary dancer uses traditional ballet and other traditional dance movements to create something new. Une espèce d'art, un art de la scène finalement. Pouvoir montrer au monde que oui, on peut faire de l'art avec du patinage artistique. Non, ça ne doit pas forcément être stéréotypé et qu'il y a un potentiel énorme avec, avec ce médium. C'est des corps humains qui ne bougent pas, mais qui se déplacent dans l'espace. C'est absolument passionnant, et puis c'est là-dessus que se basent nos nouvelles créations. Ben, en fait, on est bien conscient que ce qu'on fait en ce moment, ben, ça paye pas de mine. En fait, on essaie des trucs, puis il y a des trucs qui sont... c'est vraiment pas bon. Mais en fait, c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'on est les premiers patineurs à prendre des mois à temps plein pour transformer notre médium en un art contemporain. Puis dans quelques mois, on va regrouper toutes nos trouvailles, puis on va créer un nouveau spectacle. Et là, ben, vous allez assister à une petite révolution.